Assalamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, ravi de vous retrouver encore une fois à travers votre chaîne Taqafia. Dans le cadre de la préparation à l'examen national de baccalauréat, je vous propose une séance de révision de cours de l'immunologie. Ce cours, qui constitue la cinquième unité du programme de sciences de la vie et de la terre pour le niveau de deuxième année de baccalauréat, section sciences expérimentales, option sciences de la vie et de la terre. Avant de commencer, je vous invite, chers élèves, à voir ensemble quels sont les objectifs de ce cours dans le cadre référentiel de l'examen. Donc, ce cours, tant qu'il est constitué de quatre sous-domaines. Le premier sous-domaine, notion du soi et du non-soi. Dans ce sous-domaine, il y a un ensemble de connaissances que vous êtes censé de les connaître, de les maîtriser. Définition du CMH, du complexe majeur d'histocompatibilité et détermination de son rôle. La notion du soi, les marqueurs du groupe sanguin du système ABO, la notion du non-soi et du soi modifié, les caractéristiques génétiques du CMH. Deuxième sous-domaine, les moyens de défense de l'organisme. Et on trouve les connaissances suivantes, notion de réponse immunitaire, la réponse immunitaire naturelle non spécifique, la réaction inflammatoire, la phagocytose, le facteur du complément, la réponse immunitaire acquise spécifique, à médiation cellulaire, à médiation humorale, les éléments, les mécanismes, les caractéristiques, l'ensemble, la structure du système immunitaire, l'origine des cellules immunitaires et leur maturation, et les différentes phases de la réponse immunitaire, et aussi la coopération cellulaire entre les cellules immunitaires. Troisième sous-domaine, quelques dysfonctionnements du système immunitaire, qui comprend les éléments et les mécanismes de l'allergie due à l'hypersensibilité immédiate, le sida, la structure du VIH et son cycle de multiplication, action de VIH sur les lymphocytes T4, l'évolution de l'infection par le VIH, et aussi les moyens d'aide au système immunitaire, à savoir la vaccination, la sérothérapie, la greffe de la moelle osseuse. Mais aussi, chers élèves, aussi le cadre référentiel comprend aussi les capacités que vous êtes censés de maîtriser. Comme vous le savez, l'examen national comprend deux parties. Une partie de restitution des connaissances et une partie de raisonnement scientifique que vous êtes appelé de s'entraîner à ce genre de capacités. Et on cite, selon le cadre référentiel, analyser des données expérimentales, décrire et expliquer les manifestations en cherchant les informations pertinentes, en les utilisant pour expliquer les phénomènes, appliquer le raisonnement scientifique, à savoir proposer et vérifier une hypothèse, proposer un protocole expérimental représenté graphiquement. Ça concernant le cadre référentiel, les connaissances et les capacités. Et on commence la première des choses quand on parle d'un système immunitaire pour défendre contre les agents pathogènes. Cet agent pathogène constitue ces éléments qui constituent le non-soi. Donc, comment l'organisme distingue entre le soi et le non-soi? Et on commence par la définition, la notion du soi et du non-soi. L'organisme est capable de faire la distinction entre ses propres constituants, le soi, vis-à-vis duquel il doit être tolérant, et ceux qui lui sont étrangers, le non-soi qu'il doit éliminer. Mais qu'est-ce que le soi? C'est quoi le soi? Le soi, par définition, c'est l'ensemble des molécules et des cellules résultant de l'expression des gènes d'un individu. C'est tout ce qui constitue l'organisme de l'être vivant. Alors que le non-soi, c'est l'ensemble des molécules dont la synthèse ne résulte pas de l'information génétique propre à l'organisme et qui sont reconnues comme étrangères par le système immunitaire. Ces molécules étrangères, qui peuvent être aussi des cellules, sont issues du milieu extérieur, peuvent être issues du milieu extérieur comme les virus, cas divers, des bactéries, des toxines ou être simplement des molécules du soi modifiées. Aussi, nous rappelons que peuvent être des cellules qui sont au sein de l'organisme, mais qu'ils peuvent subir des mutations, par exemple, et qui produisent des molécules
qui diffèrent des molécules normales. Dans ce cas, ils vont être détectés par le système immunitaire pour être éliminés. Donc, le cas des cellules mutées, par exemple les cellules cancéreuses, qui se divisent anarchiquement, aussi l'exemple des cellules qui sont infectées par un virus. Donc, ils produisent des molécules de virus et de ce fait, ils les reconnaissent comme un élément étranger. C'est un non-soi. C'est un soi qui est modifié. Maintenant, on va s'interroger comment l'organisme distingue entre ce soi et non-soi. C'est à travers l'existence des molécules qui sont de deux types. Ce sont ce qu'on appelle des marqueurs. Pourquoi on les qualifie des marqueurs? Parce qu'ils marquent les cellules. On distingue deux types, les marqueurs principaux et des marqueurs secondaires. On commence par les marqueurs principaux, ce qu'on appelle le complexe majeur d'histocompatibilité aux molécules HLA, Human Leukocyte Antigen, qui sont des molécules glycoprotéiques présentes à la surface des cellules. Et ils diffèrent d'une personne à une autre. On distingue deux types de CMH, à savoir le CMH1, constitué d'une seule chaîne peptidique transmembranaire, comme vous voyez ici, et les retrouver sur la membrane de toutes les cellules nucléées. Notez bien que le CMH1 existe sur la surface de toutes les cellules nucléées de l'organisme. Alors que deuxième type, c'est le CMH2, qui est formé de deux chaînes transmembranaires. On le trouve uniquement à la surface de certaines cellules immunitaires, ce sont les cellules présentatrices d'antigènes. Notez bien ce qu'on a qualifié CPA. Ces cellules qui présentent l'antigène, qui sont les macrophages, premièrement. Deuxièmement aussi, les cellules dendritiques et les lymphocytes B. Ce sont les trois types de cellules qui possèdent le CMH2. Et vu que ce sont des cellules nucléées, alors, ils vont posséder combien de types de CMH? Donc, vu qu'ils sont des cellules présentatrices d'antigènes, elles possèdent le CMH2. Et vu qu'aussi qu'ils sont des cellules nucléées, ils vont posséder aussi, ils possèdent le CMH1. Donc, les cellules présentatrices d'antigènes possèdent les deux types de CMH, à savoir CMH1 et CMH2. Maintenant, on va voir quelle est l'origine génétique de ce CMH qui est unique, qui permet la distinction des cellules. Donc l'origine, la synthèse des molécules de CMH est sous le contrôle de quatre gènes portés par le bras court du chromosome 6. Vous voyez ici le chromosome 6. Ces gènes sont polyalléliques. On a déjà parlé de les allèles, que le gène possède des versions. On a vu seulement deux ou trois versions, alors qu'ici on voit que les gènes sont polyalléliques qui possèdent plusieurs allèles qui peuvent atteindre jusqu'à 494 pour le gène B. Regardons pour le gène A239, le gène C120, le gène B494. Donc, ils sont polyalléliques et les différents allèles sont codominants. Il y a une codominance. Et donc, combien on peut reconstituer de CMH différents? Il y a une multitude, un nombre très élevé de CMH, ce qui permet que le CMH produit, il est unique à l'organisme. Rarement qu'on les trouve que se répète au sein de la population. Seulement le cas où il y a des vrais jumeaux qu'on peut trouver que le même CMH. C'est via qu'il y a cette origine génétique. Et on cite les caractéristiques de CMH. C'est un ensemble de gènes liés, portés par le bras court du chromosome 6 chez l'homme. C'est pour le CMH. Aussi pour le CMH, la liaison entre ces gènes est absolue, très faible, distance séparant ces gènes. Donc la probabilité de recombinaison génétique est nulle, pas de Crossinov. Chacun des gènes de CMH est représenté par une multitude d'allèles, donc la probabilité d'avoir deux individus avec le même génotype CMH est presque nulle, à l'exception des vrais jumeaux. Et on note aussi que les allèles de chacun des gènes de CMH sont codominants. On note aussi qu'il y a une partie de CMH1, il est codé par des gènes situés sur le chromosome 15. En plus de chromosome 6, c'est le cas du CMH1, il est codé par des gènes portés par le chromosome 15. Maintenant, on va voir quel est le rôle de ce CMH, comment il joue son rôle. Mais avant, pour jouer son rôle ici,
Les molécules du CMH présentent en permanence des fragments de protéines synthétisées au niveau de la cellule, antigènes, endogènes. Ils peuvent donc ces fragments sont présentés par les molécules de CMH ou des fragments issus de l'extérieur, cas de phagocytes, antigènes, exogènes, ce qui permet aux cellules immunitaires de contrôler le fonctionnement cellulaire. Donc, son rôle de CMH, c'est quoi? C'est de présenter des fragments appelés déterminants antigéniques. Donc, ces fragments, soit d'origine interne, on parle d'antigène endogène. Donc, le CMH qui présente ce qui est endogène, c'est le CMH1. Et rappelez-vous, on a dit que le CMH1 existe sur la surface de toutes les cellules nucléaires, alors que le CMH2, il est spécialisé dans la représentation des déterminants antigéniques d'origine externe. Et ça, ce qui est schématisé ici, comme vous voyez, le cas de CMH2 donc, présente un peptide sur une partie protéique, mais il est de provient cette partie, il provient de l'extérieur. Voyez-vous ici, l'antigène exogène, c'est le cas par exemple, on peut citer l'exemple de macrophage. Le rôle du macrophage, c'est lorsqu'il s'adhère à un microbe, il l'avale et elle l'ingère à l'intérieur. La digestion, donc il le fragmente en plusieurs morceaux et il présente ces morceaux pour sensibiliser les autres cellules immunitaires. Et voilà, c'est le cas, c'est un CMH2, noyau d'une CPA. C'est une cellule présentatrice d'antigènes. Aussi, pour le CMH1, il présente des peptides, mais comme vous vous rappelez, c'est un peptide qui est d'origine interne, issu de la synthèse protéique par la machinerie cellulaire. Parfois, cette protéine ou cette partie protéique peuvent être normales, soit qu'ils peuvent être, par exemple, une protéine issue d'une mutation. Et donc, est-ce que c'est une protéine qui est normale? Non, bien évidemment. Donc, il va être reconnu comme un soi modifié. Il va être attaqué par les cellules immunitaires. Donc, sachez bien que le CMH1, il présente les peptides d'origine interne, antigène, endogène. Et maintenant, en plus des marqueurs, on a dit principaux, il y a aussi des marqueurs secondaires. Donc, ces marqueurs secondaires, c'est le cas, qui sont présents sont des marqueurs, on dit, mineurs, qui sont présents sur la surface de certaines cellules. Ce sont les groupes, on parle ici de groupes sanguins. Ces groupes sanguins sont définis par la présence ou non de protéines membranaires portées par la membrane des hématies. Et comme vous le savez, les hématies sont dépourvues de noyaux. Ils ont perdu leur noyau, donc ne possèdent pas de noyau. Donc, il n'y a pas de CMH, on trouve un autre type de marqueur. Ces marqueurs, ce sont des déterminants antigéniques présents à la surface de ces globules rouges. Et on cite la présence d'anticorps innés, normalement, naturellement, existent dans le plasma. Donc, je vous présente ici une image qui illustre la surface d'un globule rouge. Voyez-vous bien qu'il y a un ensemble des molécules que vous voyez, donc ces molécules qui sont présentes à la surface, on les voit, on zoome sur cette structure, qu'est-ce que vous observez? Donc rappelez-vous, il y a ici une structure qu'on a déjà vue, donc ce sont des glycoprotéines, une partie protéique qui se termine par une partie glucidique, donc elles constituent des déterminants antigéniques. Chez l'homme, on trouve quatre groupes, ce qui définit les groupes sanguins, A, B, AB et O. Donc, ce sont qui déterminent aussi le principe de la transfusion sanguine entre les individus qui doivent respecter la compatibilité qui existe entre les différents groupes. Donc, l'existence de ces groupes, il est dû à quoi? À la présence de ces glycoprotéines appelées agglutinogènes parce qu'ils peuvent causer l'agglutination du sang en présence des anticorps. Et ainsi, on parle aussi de la présence des agglutinines. C'est ce qui est représenté ici dans le tableau. Les quatre groupes sanguins, à la surface des globules rouges, on trouve des antigènes, des déterminants antigéniques. Lorsqu'il y a l'antigène A, on parle du groupe sanguin A.
Et on trouve dans le plasma de cette personne les anticorps anti-B. Pour le groupe sanguin B, on trouve l'antigène B et on trouve dans le plasma des anticorps innés, ce sont les anticorps anti-A. AB, on trouve les deux terminaux antigéniques A et B. Alors qu'au niveau de O, on ne trouve pas de déterminant antigénique, mais on trouve au niveau du plasma les deux types d'anticorps. Et ça, c'est un marqueur. Ce sont des marqueurs qui caractérisent les globules rouges, qui permettent la distinction. Mais est-ce qu'on a cette multitude comme le CMH? Non, le CMH, on a vu qu'il y a, on trouve CMH unique pour chaque personne. Et cette caractéristique, il est due à l'existence qu'ils sont déterminés par 10 gènes polyalléliques. Alors qu'ici, on trouve seulement 4 groupes sanguins. La détermination de l'origine génétique il est due à un gène à 3 allèles, A, B et O. On signale ici un autre type de marqueur, ce sont les marqueurs aussi du groupe D ou le système, ce qu'on appelle le système rhésus. Ça, concernant les types de marqueurs qui permet la distinction entre les soies et le non-soie. Maintenant, on va passer comment l'organisme se défend contre l'agent pathogène, comment il protège le soi et se défend contre contre ce qui est non-soi. Comment il attaque le non-soi? C'est à travers des réponses immunitaires. On distingue entre deux types de réponses immunitaires. Réponses immunitaires non spécifiques, appelées naturelles innées, qui se fait par plusieurs mécanismes. L'existence des barrières naturelles, ce n'est pas proprement un mécanisme, mais il permet, il entre, fait partie d'une réponse naturelle, innée. La réaction inflammatoire, la phagocytose et le système de complément. C'est une réponse immunitaire, regardons, qui se fait immédiatement, en quelques heures. Donc, qui s'implique une fois l'entrée de l'agent pathogène. Donc, il entre, donc il met en route cette réponse immunitaire. À la différence, deuxième type de réponse immunitaire, c'est la réponse immunitaire spécifique, ce qu'on appelle aussi acquise avec le temps, qui nécessite une reconnaissance de l'antigène, de l'agent pathogène, et qui permet, on dit aussi adaptative, qui s'adapte à cet antigène pour l'éliminer de l'organisme. On distingue à médiation humorale et à médiation, pardon, ici à médiation cellulaire. Et on s'interroge quels sont les éléments et les mécanismes impliqués dans ces réponses immunitaires. On commence premièrement par la réponse immunitaire innée. Comment se fait la réponse immunitaire? Quels sont les mécanismes impliqués dans cette réponse? Et on commence par les barrières naturelles. Dans l'immunité naturelle, donc les barrières naturelles, il existe 3 types. Donc il y a des barrières mécaniques, représentées par la peau, qui constituent un mur contre les agents pathogènes, qui se posent à l'entrée des agents pathogènes. Les cils, au niveau de la trachée, au niveau des voies respiratoires, par exemple. Aussi des barrières chimiques et biochimiques, représentées par les sécrétions, les larmes, le mucus nasal, la sueur, qui, comme vous voyez ici, pH qui est acide, donc par acidité, ou aussi par l'intervention des enzymes, comme le cas existence au niveau des larmes. Donc on cite barrières mécaniques comme la peau, les muqueuses, les cils, barrières chimiques et biochimiques, par les sécrétions, les enzymes, les substances acides, mais on signale aussi les barrières écologiques qui existent au niveau de l'intestin, donc ce qu'on constitue, la flore intestinale, au niveau du gros intestin, c'est la flore intestinale, sont des micro-organismes, comme l'exemple des Escherichia coli, qui vivent en symbiose avec l'organisme et qui attaquent les autres microbes, les autres bactéries qui peuvent être présents au niveau de c'est l'intestin, au niveau du type digestif. Maintenant, lorsqu'il y a une lésion, lorsqu'il y a une attaque au niveau de ces barrières, une lésion au niveau, par exemple, de la peau, il y aura une réaction inflammatoire. Que se passe-t-il? Donc, par exemple, au niveau d'une plaie, il y aura une invasion. Regardons ici. Donc, il y a un contact direct avec le milieu extérieur où il y a beaucoup de micro-organismes. Donc, il y aura une invasion, comme vous voyez ici.
Donc, quelles sont les manifestations? Rappelez-vous les manifestations qu'on a déjà parlé. Ici, donc, on note une vasodilatation, une flèche qui signifie le recrutement, les cellules qui viennent vers ce lieu, donc qui sont recrutées vers le lieu d'infection pour stopper cette infection. Aussi, il y a des macrophages. On note qu'il y a des symptômes qu'on a déjà parlé. Donc, l'entrée des micro-organismes, ils vont être détectés par les cellules sentinelles, qualifiées sentinelles sont les premières cellules, les cellules dendritiques, les mastocytes et les macrophages. Qu'est-ce qu'ils vont produire? Libération des médiateurs chimiques par les mastocytes, pardon, principalement l'histamine. Je note ici détection de pathogènes, sécrétion des médiateurs chimiques, les histamines, les prostaglandines par les mastocytes, les cellules dendritiques, ce qui entraîne vasodilatation, augmentation de la perméabilité vasculaire et aussi des cytokines qui permettent l'attraction des autres cellules vers le lieu d'infection. Quels sont les symptômes, rappelez-vous? Rougeur, on note ici, rougeur due à la vasodilatation locale, et une sensation de chaleur due à l'afflux de sang, un gonflement dû au passage du plasma dans les tissus, une douleur due à l'excitation des nerfs sensitifs. Et voilà la réaction inflammatoire. Il constitue le premier signe de la réponse immunitaire innée. Et notez bien un phénomène juste au niveau lorsqu'il y a une inflammation. Voyez-vous que ce sont ces grosses cellules avec un noyau multilobé qui viennent en contact avec le microbe, qu'il essaye de l'englober, c'est la phagocytose. Et voyez-vous ici comment se déroule la phagocytose en plusieurs étapes, comme vous voyez ici. Donc, en contact avec le microbe, il y aura la première étape, c'est l'adhésion. Donc, via des récepteurs, vont reconnaître les éléments étrangers présents à la surface de ce microbe, de ce micro-organisme. Ils vont se fixer sur ce microbe. Après l'adhésion, il y aura l'ingestion, l'internalisation, donc entrée de ce microbe, puis la digestion. Comment se fait la digestion? C'est que cette vésicule va se fusionner avec une vésicule contenant des enzymes digestives. Enzymes digestives, ce qui permet l'entrée en contact entre les enzymes et le microbe. Et ce que se passe-t-il ici, comme vous voyez, la destruction de l'agent pathogène, et puis il y a rejet des déchets. Donc on note ici que, afin de s'opposer à la multiplication des agents infectieux, les macrophages, les cellules dendritiques et les granulocytes, après reconnaissance, adhésion, peuvent ingérer et dégérer l'agent pathogène et rejeter à l'extérieur les déchets résultant de la destruction. Mais à votre avis, est-ce que toujours les macrophages réussissent à éliminer cet agent pathogène? Pas toujours. Parfois, l'agent pathogène échappe à ce phénomène et se multiplie, d'où l'intervention d'autres mécanismes qui sont plus spécifiques. À côté de ces facteurs qu'on a déjà parlé, libération des histamines et des cytokines, qui permettent la vasodilatation et l'amplification de la réponse pour stopper l'invasion microbienne, il y a aussi l'intervention d'un élément qui s'appelle le facteur du complément. C'est quoi ce facteur? Quelle est sa définition? Donc, c'est un ensemble de protéines plasmatiques inactives sécrétées par le foie. Leur activation se fait en cascade, soit directement par l'antigène, on parle de voie alterne, soit par le complexe humain, voie classique. On distingue l'actif de protéines du complément de C1 à C9. Et une fois activées, ces protéines jouent plusieurs rôles. Et je vous présente ici ce document qui illustre le cas de la voie classique. Voyez-vous ici l'antigène lié à l'anticorps. Ce complexe humain, il va être lié avec ce complexe C1 du système du complément. Donc, le complexe C1, puis ce qui met le système de complément en activation, en cascade, donnant plusieurs types de fragments et constituant des enzymes qui se terminent par l'association de
de ces protéines, C6, C7, C8, C9, formant un canal au niveau de l'agent pathogène, qui peut être une bactérie ou peut être aussi une cellule infectée par un virus, ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire, permettant l'entrée de l'eau et l'éclatement de la cellule. Mais aussi, ce n'est pas seulement la formation de complexes d'attaque membranaire, il y a aussi l'opsonisation par la formation de ces fragments C3B qui permettent l'association et facilitent la phagocytose et le chimiotactisme, ce qu'on note ici, formation de complexes d'attaque membranaire, opsonisation, chimiotactisme. Ça, concernant l'immunité naturelle. Chers élèves, on va s'interroger comment se fait l'immunité spécifique. Parfois, cette immunité elle est insuffisante de l'intervention des mécanismes spécifiques permettant d'éliminer l'agent pathogène. Donc, c'est une immunité qui est adaptative pour s'adapter à ce genre d'antigène. Et on distingue une pense immunitaire spécifique à médiation humorale. Cette immunité intervient principalement dans les cas des antigènes extracellulaires, des toxines, des virus, et aussi l'immunité spécifique à médiation cellulaire qui intervient principalement dans les cas de refus du non-soi, refus du greffon, destruction des cellules infectées, destruction des cellules mitantes, cas de cellules cancéreuses. Et on s'interroge comment se fait, quels sont les éléments et les mécanismes de cette réponse immunitaire. Maintenant, on va commencer par le sous-système immunitaire, de quoi il est constitué, comme vous voyez ici. Donc, le système immunitaire, il est formé d'un ensemble d'organes, de molécules et des cellules. Donc, les organes lymphoïdes qu'on les trouve, on trouve il y a des organes lymphoïdes centraux, thymus, moelle rouge, moelle osseuse, centraux parce que ce sont les lieux de production et de maturation des lymphocytes, et il y a aussi les organes lymphoïdes périphériques, à savoir les ganglions, ici la rate, on trouve des tissus au niveau de l'organisme, les amygdales par exemple ici, ce sont des organes lymphoïdes périphériques. Donc notez bien que le système immunitaire il est formé en plus d'organes, des cellules immunitaires et des molécules, comme on a déjà signalé dans le cas de l'immunité naturelle, le système de complément, les cytokines qui sont libérées, les histamines, ce sont tous des molécules, qui interviennent dans la réponse immunitaire. Donc ces organes, lymphoïdes centraux, lieu de production et de maturation, lymphocytes, et organes lymphoïdes périphériques, lieu d'accumulation et de rencontre des cellules de l'immunité avec les agents pathogènes. Maintenant, on va s'interroger quelle est l'origine de cellules immunitaires, plus précisément. Donc, voyez-vous, donc l'origine, on a dit que c'est au niveau de l'os, donc la moelle osseuse rouge. Au niveau de l'os, au niveau de la moelle osseuse, on trouve, il y a des cellules souches, différentes cellules souches, des cellules sanguines. Ce sont les cellules à l'origine de toutes les cellules sanguines. Quelles sont ces cellules sanguines? C'est ce qu'elles présentent ce document. Cellules souches pluripotentes. Pourquoi on dit pluripotentes? Parce qu'ils donnent plusieurs types, plusieurs variétés des cellules, qui se différencient en deux types de cellules, les cellules souches lymphoïdes, les cellules souches myéloïdes. Les cellules souches lymphoïdes responsable de la formation des lymphocytes B, les lymphocytes T des cellules NK, naturelles Killer, ou que sont tueuses naturelles, et aussi on a les cellules souches myéloïdes, qui sont les mégakaryocytes, qui sont les plaquettes sanguines, qui sont la variété des phagocytes, qui sont les granulocytes. Ici, on a une variété, les érythrocytes, ou ce qu'on appelle les globules rouges. Autre variété issue de la cellule myéloïde, ce sont les cellules dendritiques et les monocytes. Donc on note ici que toutes les cellules sanguines sont issues de la moelle rouge contenues dans les os plats ou à l'extrémité des os longs. Les cellules intervenant dans la réaction immunitaire sont les leucocytes globules blancs, et on distingue ces différentes que vous voyez dans l'image, à savoir les lymphocytes, les lymphocytes B et T qui interviennent dans l'immunité spécifique, et les autres cellules, à savoir les granulocytes, les macrophages, qui interviennent dans l'immunité naturelle, mais aussi on va voir qu'ils communiquent aussi avec les autres cellules de l'immunité spécifique. Maintenant,
comment se fait l'acquisition de l'immunocompétence. Donc ces cellules, comme vous voyez ici, donc pour être immunocompétentes, ils doivent acquérir leurs compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils distinguent entre le soi et le non-soi. Pour cette l'acquisition de l'immunocompétence se fait au niveau de la moelle osseuse pour les lymphocytes B. Donc toutes les cellules se forment et subissent leur maturation au niveau de la moelle osseuse, puis migrent vers le sang, vers les organes périphériques, alors que pour les lymphocytes T, ils migrent vers le thymus. Au niveau de cet organe, ils subissent leur maturation et puis ils migrent vers les organes. Donc ces cellules acquièrent leur immunocompétence dans les organes lymphoïdes centraux, B au niveau de la moelle osseuse et T au niveau du thymus. Qu'est-ce que ça veut dire cette acquisition immunocompétence? Donc, il se fait par l'acquisition des récepteurs que vous voyez. Ces récepteurs possèdent une structure variable. Cette structure, elle a une forme déterminée qui permet l'association avec les pour distinguer entre le soi et l'en-soi. Donc les cellules qui reconnaissent et qui se lient avec les molécules du soi vont être éliminées lors de ce phénomène. Voyez-vous ici, donc les récepteurs. Donc pour les lymphocytes T, ce sont les TCR avec CD4 pour les T4, T8 ou TC le CD8, et pour les lymphocytes B, le récepteur qui s'appelle le PCR. Chers élèves, on va s'arrêter pour cette partie, pour cette séance, et je vous donne un rendez-vous pour la séance prochaine. Et merci pour votre attention.